C'est Oliver Plasmaï, on est parti pour une vidéo découverte de Splinter Cell Blacklist sur Wii U. Donc on appuie. D'accord, d'abord il faut que ça se connecte sur le compte Uplay. Parce qu'on est obligé d'utiliser notre compte Uplay. Hein. Ah, reprendre au point de passage. Bah, j'ai plus envie de recommencer cette mission pour vous la montrer. Une mission que j'avais envie de vous montrer et que je vais découvrir avec vous. Même si j'ai quand même commencé le début de la mission. Bon, je dirais jusqu'où je suis allé. Ah, et aussi quelque chose de très important à vous dire, c'est que les temps de chargement, ils durent à peu près 1 minute 30. Donc ça fait bien chier. En plus, il y en a beaucoup des temps de chargement, donc ça fait chier quand même. Mais quand on commence une mission, ben après il n'y a jamais de temps de chargement pendant la mission. Bon, ça va encore. C'est à chaque fois quand on fait une petite manip, par exemple quand on achète des nouveaux trucs là pour l'avion, enfin, oui, je vais vous expliquer ça après. Quand on change quelque chose, et ben à chaque fois il y a un temps de chargement après. Pour sauvegarder ou enfin voilà. Et puis maintenant, Sam Fisher n'est plus à échelon 3, enfin, depuis Conviction, de toute façon. Il est maintenant à échelon 4, oui. Plus tard, ce sera échelon 5. Ah, il y a toujours Grimms de tir. Hein. Elle est où? Ah, voilà. Sam, je crois que Charlie a du nouveau matériel à te montrer. Voilà, la tête qui est là, Grimms de tir. Je vais tout vous dire, j'ai pas fait Conviction, je viens juste de l'avoir aujourd'hui, donc... faudrait que je découvre ça... On va voir s'il est aussi bon que ce Blacklist, hein, j'en sais rien. Ce qui paraît, il est moins bon. Bon sinon, je vais vous expliquer. Là c'est pour choisir toutes nos missions. Vous voyez, il y a des missions en coop. Ah bah tiens, repère des pirates, c'est une nouvelle mission, ça j'ai l'impression. Parce que, bah des fois, c'est bizarre, ça nous remonte des missions qu'on a déjà fait. Ah bah si, c'est des missions que j'ai déjà fait, sauf celle-là. Coop uniquement, mais j'ai pas fait énormément de missions en coop, là j'en ai fait que une ou deux, je crois, deux. Parce que le coop, ça rame. Hein. Ubisoft, ils sont vraiment pas faits pour ça, hein. Le coop là, enfin en ligne. Surtout qu'on peut pas jouer en écran splitté sur la version Wii U, je sais pas pourquoi d'ailleurs, on aurait largement pu faire ça. Surtout faire genre le joueur 1 il peut jouer sur le gamepad et le joueur 2 sur la télé, ça aurait largement pu le faire. Espion vs mercenaire, ça c'est un deathmatch. C'est en gros on s'entretue, voilà. Enfin, bon, c'est classique donc bon, ça m'intéresse pas trop. À ce qui passe, c'est apparu depuis Chaos Theory ça. Et bon, vu que moi j'ai Chaos Theory sur GameCube, ça m'étonnerait qu'il y ait en ligne dessus, qu'il y ait un mode en ligne. Bah, contre-espionnage, je sais pas ce que c'est. Mais voilà, ça c'est les missions principaux et c'est celle-là qu'on va commencer. Même si j'ai envie de vous montrer quand même quelques trucs, puisque là on est au bord de notre base, en gros on est dans un avion. Et vous voyez que tout le monde travaille, c'est très impressionnant hein, tout ce qui se passe ici. Ah, et puis bon, par contre lui il est pas très bien fait, hein. Je vous montre deux secondes. Il regarde un peu haut, il a la tête un peu haute. Hein. L'écran n'est pas non plus là. Enfin voilà quoi. Ah, et aussi on peut appeler notre fille Sarah, parce que oui, Sarah est vivante. Hein. On l'avait cru morte dans Double Agent, je crois que c'était. Puis ça nous le redisait dans Conviction. Il était écrasé par une voiture, mais en fait non. Parce que là, ce Blacklist, il se passe après Conviction. Donc
conviction, je préfère dire, parce que bon, j'ai un accent tellement pourri. Vous en êtes sûr ? Bon, et aussi là, je joue avec le gamepad, donc. Donc voilà, la jouabilité doit être moins bien avec le gamepad et mieux avec le contrôleur Wii U ou Pro, mais moi je l'ai pas. Alors, peut-être en branchant ma manette Xbox 360, ça marchera peut-être. Hein. La manette, elle est tellement pareille en fait. Nintendo, il copie sur Microsoft maintenant. Charlie, beau travail sur le. Alors voilà, Charlie, lui, c'est celui qui nous construit des nouveaux trucs, des nouveaux engins. Nouveau, un drone. Voilà, un drone. Il n'y en a pas deux comme toi, Charlie. Bon, on peut passer parce que ça, j'ai vu ça 1000 fois, ça me saoule. On peut faire la mission de Charlie, mais les missions de Charlie, elles sont un peu pourries. Parce qu'en fait, c'est. Bon, ça doit être un peu fun à deux, mais. C'est en fait un. C'est des vagues d'assaut, c'est des vagues d'ennemis. Genre, la première vague, il y a 10 ennemis. La deuxième vague, 20 ennemis. Enfin, voilà, c'est du survie, quoi. Du survival. Je vais bricoler d'autres jouets pour que tu puisses les exploser. Donc c'est pas très intéressant. Ah mince, je voulais pas faire ça. Salut Charlie. Parce que c'est avec lui aussi qu'on peut préparer notre équipement. Toutes nos infos. Mince, je voulais pas faire la mission. J'ai appuyé trop vite. Localiser plusieurs cibles. Ah non, c'est bon. Ah voilà. Ça, espion et mercenaire, c'est pour le mode espion contre mercenaire. Le mode en ligne, là, on s'entretue. Ouais. C'est pas terrible. Enfin, moi, je pense pas que c'est un truc où je vais être souvent dessus. Bon, voilà, j'ai fait mes différents équipements. Hein. On peut personnaliser 3 équipements en tout. En avançant dans le jeu, on peut en avoir 3. C'est en évoluant, en fait, l'avion, puisque en fait... On peut acheter des nouveaux. Par exemple, il y a des équipements qu'on peut voir qui sont barrés. Je vais vous montrer. Là, j'ai mis espion. Enfin, spy, pour que ça fasse plus classe. Bah, c'est parce que je suis en mode discrétion, presque. Bah voilà, je suis presque au maximum. Maniabilité de l'arme, bah, de toute façon, maniabilité de l'arme, j'ai mis pareil partout. Sinon, bourrin, c'est. En discrétion, c'est rien du tout, c'est de la merde. Et par contre, en protection, voilà. Mais j'ai pas remarqué trop de différence en fait. En spy en fait on est presque aussi vulnérable qu'en bourrin. Je comprends pas. Alors que moi en étant bourrin j'ai mis protection, vous voyez, c'est assez élevé. Bon, sinon j'ai fait moyen, il n'y a pas longtemps, voilà. Ah moi je suis très organisé. Alors les lunettes, ça c'est. Quelques lunettes qui ont des options en plus. Elles ne font pas seulement de la lumière thermique, enfin on peut pas seulement voir dans le noir, mais il y a des trucs en plus, par exemple un sonar pour pouvoir voir les ennemis au travers des murs, c'est pas mal. C'est le seul truc que j'ai en fait. Sinon vous voyez qu'on peut équiper chaque truc sur le torse là, de notre Sam Fisher. La tenue Raven, c'est un truc que j'avais téléchargé, ça, c'est avec mes points, bien sûr, replay. Bon, les gants, j'ai mis le meilleur gant, bien sûr, c'est... Enfin non, il y a celui-là, après. Et on gagne très facilement de l'argent, hein. Vous voyez, je suis quand même à 75 913 dollars, c'est quand même pas mal. Mais bon, heureusement, après, vous voyez, par exemple, là, ce gant-là, il est extrêmement cher, donc bon... C'est pas comme Far Cry 3 où on débloque tout en 2 secondes et que toutes les armes franchement ne sont pas chères parce que on gagne énormément de fric dans Far Cry 3. Et rien n'est cher dans le jeu donc voilà. On gagne trop de trucs facilement. C'est pour ça que Far Cry 3 est assez facile. Alors que là franchement on a vraiment le choix entre plusieurs trucs. Puis, pourtant j'ai débloqué pas mal de choses mais bon il m'en reste encore. Par exemple les bottes pour la discrétion, hein, j'ai pris ça. Furtif, voilà. Parce que moi j'aime bien la discrétion, pour tout vous dire, je prends le plus souvent en spy, mon équipement en spy. En fait c'est le meilleur. Je préfère la jouer à l'infiltration et voilà. On peut choisir les couleurs.
C'est pour le fun. Moi j'aimais bien le bleu. Bleu fantôme ou bleu marine. J'aime bien cette couleur, voilà. Alors sinon on peut améliorer notre pistolet. Enfin, on peut soit... Non, on peut pas améliorer le pistolet. Je pense... Ah si, on peut améliorer le pistolet, j'avais oublié ça. Bah d'ailleurs, faudrait que je le fasse. Mais on peut choisir chaque flingue. Il y en a qui ont des silencieux, il y en a qui n'en ont pas. Voilà, ils ont tous un silencieux. Bah ils ont tous un silencieux, tranquille. Mais sinon, au marché noir, voilà, on peut avoir d'autres flingues. Il y en a que deux, là. Par exemple, au marché noir, je l'ai débloqué en achetant quelque chose sur l'avion. Enfin, je vais vous montrer ça après. Pour l'amélioration de notre base, quoi, en gros, et vous pouvez avoir des armes au marché noir. En évoluant quelque chose à l'avion, voilà. Ou aussi, on pouvait... améliorer l'infirmerie pour que notre vie pour qu'on ait plus de vie, tout simplement. Enfin, pas exactement ça, c'est pour que qu'on se soigne plus rapidement, voilà. Parce que c'est à la Call of Duty la vie, de toute façon, dans ce Splinter Cell. Bon, ça m'a un peu déçu. Moi j'ai pris un sniper, vous voyez, c'est parfait. J'ai acheté au marché noir, je crois. Ah non non, c'est le fusil sniper. Fusil à pompe aussi, il y a vraiment de tout. Hein. Enfin, Exit, l'arme qui pouvait faire plusieurs armes. Hein. Vous savez, dans Double Agent ou dans Chaos Theory, il y avait une arme qui pouvait faire à la fois mitrailleuse, notre arme secondaire là qu'on avait au dos, elle pouvait faire à la fois mitrailleuse, bon, arme spéciale, il y a rien du tout, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'on en gagne plus tard après. Bon, bah, je vais laisser comme ça, hein. On va pas acheter grand-chose. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Bon, il y a quand même beaucoup de mini-temps de chargement comme ça. C'est ça le problème. Bon boulot, Charlie. Merci. Je sais pas ce qu'il en est de la version PC, mais les versions console, beaucoup de temps de chargement. Bah, sinon, comme vous pouvez voir, quand même, c'est très bien fait. Bah, je suis pas du tout déçu au niveau des graphismes. Il y a juste quelques fois le visage de Grinch de Tyr qui me semble assez... Enfin, ses cheveux sont bizarres, mais bon. On n'est pas encore dans les graphismes parfaits, quoi. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, c'est... Faut parler à Grinch de Tyr pour améliorer l'avion. Bon, vous voyez, ses cheveux sont bizarres. D'ailleurs, on va améliorer l'avion. Et là, vous pouvez voir que je peux plus faire des missions avec elle, parce que, enfin, de nouvelles missions, parce que je les ai toutes faites. C'est vraiment les missions les plus intéressantes à faire, en fait. Le problème, c'est qu'on a vu que 3 ou 4, je crois. Et c'est les missions à la Splinter Cell style, complètement. Hein. C'est-à-dire que, comme dans les anciens Splinter Cell, faut surtout pas se faire repérer une seule fois, et moi, ça m'a plu, ça. Surtout pas se faire repérer une seule fois, sinon on est mort. Donc il fallait absolument avoir... En plus j'ai un sniper silencieux, donc bon, avec ça, ça m'aide beaucoup. Bon sinon, là vous pouvez voir qu'on peut améliorer l'infirmerie par exemple. C'est pour régénérer plus rapidement en solo et en coop notre vie. Quand l'écran est tout rouge, voilà, à la Call of Duty. Et il y a niveau 1 et niveau 2. Niveau 2 c'est encore mieux. Et moi j'ai tout acheté, hein, vous voyez. Donc quand même, on a quand même beaucoup d'argent. Enfin en même temps j'ai fait presque toutes les quêtes annexes. Maintenant il me reste plus qu'à la quête solo, et la quête solo, pour tout vous dire, je crois que je suis rendu qu'à 30%. Donc voilà. Vous voyez, atelier de Charlie, ça c'était pour avoir de nouvelles armes à acheter. Par exemple, fusil de sniper à acheter au niveau 2, vous voyez. Donc voilà, c'est vraiment pas mal ce petit truc de customisation. Bon, même si là, on n'a pas beaucoup de choix pour l'avion, mais... Par contre, pour notre équipement, franchement, on peut choisir tout ce qu'on veut, quoi, beaucoup de choses. Et lui, c'est pour le mode coop. Je sais plus comment il s'appelle, d'ailleurs, on va voir. Voilà, Briggs. Je m'entraînais. C'est une nouvelle tête. Et on fait que le mode coop. Le problème, c'est que dans le mode coop, on peut voir la progression aussi. Voilà, 33,1%. Je crois que là, défi fantôme, c'est pour ne pas se faire repérer une seule fois. Et ne pas tuer les ennemis aussi. Défi panthère, c'est pas se faire repérer, mais
mais par contre on tue les ennemis, et puis assaut, bah on se fait repérer et puis on joue à la bourrin. Et le mieux c'est le défi fantôme ou le défi panthère qui est pas mal aussi. Donc je sais plus trop où j'ai regardé pour savoir la progression, mais je crois que je suis à 30%. Donc là on va utiliser l'IMS, de toute façon c'est toujours là que où faut aller pour continuer l'aventure et voilà, là c'est infiltré le site d'une cellule des ingénieurs pour découvrir les prochains plans de Mossadi. Voilà, bon on va passer un peu ça, c'est pas très intéressant. On va recommencer. Et voilà, c'est parti pour le temps de chargement. Voilà les infos que tu voulais sur Vic Costa. Merci. Tu sais, on bah là, ils appellent ça un briefing, hein, mais... Si tu me laissais pirater le MI5. Bon, ils disent pas grand-chose. Contrairement aux anciens Splinter Cell. Pas si on le fait en douce. Tu veux bien m'expliquer? On a tracé tous les numéros de passeport que Nouri t'a donné. Analyse de réseau, itinéraire de voyage, transfert de fonds... De l'analytique foireuse. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Que dalle. Ce qui prouve que je perds mon temps à bricoler des routines pour scanner des tonnes de données. Putain de merde. Les ingénieurs sont à Londres. C'est foireux, l'analytique? Bien joué, Grimm. Ces types sont tous connectés à Sadik? Et entre eux. C'est une cellule dormante. C'était... Elle a été réactivée. On la joue comment? Ah voilà, là on peut mettre... on peut choisir le choix de difficulté. Réaliste, professionnaliste... Non, perfectionniste. Recrue. Je pense que c'est ce qui me correspond mieux, recrue. On va laisser en normal et puis on va continuer. Il n'y a qu'une solution. On hack le MI5 pour savoir ce qu'ils savent. Oublie ça, Charlie. C'est trop risqué. Sadik a fait partie du MI6. Et il a peut-être encore des amis là-bas. S'il nous repère, il s'envolera avant qu'on ait pu l'approcher. On dirait qu'ils sont dans une usine désaffectée. C'est au milieu de l'eau. Il y a plusieurs positions de sniper. Je vais trouver une solution. Charlie, tu vas l'aider. Briggs? Là. On a une mission. Tu surveilles tout ce qui se passe. C'est parti. Ah voilà, à chaque fois on a un petit briefing comme ça, et puis après, voilà, on peut choisir notre personnalisation. Ah, et aussi en évoluant quelque chose dans l'avion, et ben je peux maintenant, à partir de maintenant, quand il y a de l'équipement, enfin quand je peux me ravitailler, et bien. Je peux carrément changer de, ben voilà, de personnalisation au cours de la mission, alors qu'avant je pouvais pas le faire. Bon, je vais garder Spy, c'est toujours le meilleur. Bon bah voilà, l'usine désaffectée. Bah, j'ai pris cette mission puisque je l'ai trouvée vraiment jolie. L'effet d'eau est super sympa et enfin, l'effet de pluie. Puis on voit vraiment la pluie qui tombe par terre, c'est une première. En tout cas dans les Splinter Cell, peut-être dans Conviction, je sais pas. Mais... Bon voilà, et là vous allez voir le temps de chargement le plus long de l'univers. Alors, ceux qui ont l'habitude de jouer à des jeux Nintendo, hein, je pense que là ils seront morts. Ah, mais cette mission, je l'avais commencé, elle n'était pas très difficile. Ah, surtout là, j'ai beaucoup amélioré mon équipement, donc ça va être beaucoup plus facile. J'avais même pas de fusil sniper au début, dans cette mission-là, donc... Voilà, 90 secondes quand même. Ah, nous sommes à Londres, au Royaume-Uni. J'avais même pas vu avant. Je l'ai théorisé. Je vais rentrer. Bien compris, je me dirige vers la position Bravo. Vous voyez que là, ça rentre pas du tout, mais il y a quelques fois où il y a des petits... Bon,
donc ça rame un peu. Là, vous voyez quand même l'effet d'humidité là, super bien rendu, avec la pluie qui tombe vraiment par terre. C'est pas... Oh purée. Dès le départ, je me fais repérer, c'est très bien joué. Bon, on peut se planquer comme ça en appuyant sur le bouton B. Bon, moi c'est nouveau parce que bon, j'ai pas fait conviction. Conviction, je l'ai pas fait. Bon, voilà, on va se faire le sniper. Donc, le problème c'est qu'il pourra largement me voir, donc je vais aller par là. Oula. C'est pas tip top. Bon, on va se le faire même si je le vois pas trop là. Ah bah si. Ouais, c'est pratique quand on a un, sniper, c'est vraiment pratique. C'est vraiment... bah pour l'instant c'est la plus belle mission que j'ai jamais vue. Ici où il y avait la première aussi qui était vraiment pas mal là. Je crois que c'était à Istanbul. Enfin, on peut sprinter aussi en restant appuyé sur le bouton A. Ah, et puis on peut grimper comme je viens de le faire sans faire exprès. Puis il y a beaucoup de lumière dynamite en même temps, comme dans tous les autres Splinter Cell. Hein. Il paraît que là, si je tire, voilà. Le truc qui arrivera jamais dans un Call of Duty. Mais c'est dommage qu'il n'y ait plus le système de vie comme avant avec la barre de vie. Mais bon, en contrepartie, bah, franchement, on est vraiment... faut surtout pas combattre au corps à corps, au cac, enfin, pas souvent. Parce que Sam Fisher est vraiment... bah, il est pas solide. Il se prend deux balles, il est mort. Alors que je suis juste en normal, là, encore. Bon, par contre, je vois rien du tout. Ah là, j'ai mis une botte sonar, bah, ça, on s'en fout un peu, pour l'instant. Voilà. La lumière thermique, je crois que ça s'appelle. Enfin, bon. Attends, faut grimper déjà. Là. Vous voyez que Sam Fisher maintenant peut grimper presque partout. C'est plus comme dans les anciens épisodes. Alors, là, faut aller sur le tuyau, mais s'il faut descendre, et puis voilà. Ah, si, ils ont un peu copié sur Assassin's Creed. Grim. J'escalade le mur de l'usine. Oui, que ça va te couvre. Ok. Ils sont bravo atteints. Je vois un camion qui sort. On dirait qu'il déplace du matériel. Reçu. Sam, à midi. Ça va? Je l'y tire. Merci. Ah bon, notre pote Briggs nous couvre. Moi j'ai retrouvé les plans. C'était un ancien moulin, il devrait y avoir un monte-charge dans les normes. Ah, faut souvent écouter ce qu'ils disent quand même. Des fois, par exemple, ils nous disent où aller exactement. Bah, Y c'est pour se faire les ennemis. Voilà, il est carrément tombé. Et puis avec exécuter, ben en fait d'abord faut marquer nos ennemis, voilà, en appuyant sur le bouton R. Et bon, il n'y en a pas d'autres, mais là genre si je prends mon sniper, là je peux l'exécuter, parce que je peux tirer assez loin avec le sniper bien sûr. Et en appuyant sur X, ben, il tire direct. Mais bon, je vais pas l'utiliser maintenant, ça sert pas à grand chose là. Et puis c'est comme ça qu'on peut se faire 3 ennemis du premier coup. Donc c'est un concept assez intéressant. Ah, et aussi Exit, l'interface où on voyait l'ombre, si on était bien caché. Heureusement, je crois que je me suis pas fait voir. Bon, on peut prendre les corps, comme d'habitude, même s'ils ont enlevé ça dans Conviction.
va le mettre par là, juste. Juste caché derrière. Bah là où je me couvre. Ouais, il y a un sniper. Merde. Ah, je me suis un peu planté, mais ils m'ont quand même pas vu parce que mon sniper est équipé de silencieux, donc bon. Ah, les effets de lumière sont quand même assez impressionnants. C'est vrai que techniquement le jeu, on pourrait quand même faire mieux actuellement, mais... Mais esthétiquement quand même, des fois, c'est vraiment bien fait. Donc là, on va grimper. Je pense pas qu'il y ait d'ennemis ici. On peut voir sur le radar aussi la flèche rouge là qui nous indique qu'il y a un ennemi, c'est l'ennemi. Ah purée. On peut se le faire de là, mais avec un flingue, c'est pas terrible. On peut pas se le faire du premier coup. Ah, et puis oui, dans l'interface, il n'y a plus, comment expliquer ça, le menu ombre, quoi. Enfin, ça nous montrait en gros... ça nous montrait si on était dans l'ombre ou pas. Ça, c'était bien. Mais maintenant, il faut savoir par soi-même. Si on est bien caché dans l'ombre. Voilà, par exemple, je suis sûr que je suis bien caché dans l'ombre. S'il y a un mec qui passe à côté, il ne me verra pas tout de suite. Voilà, on va se le faire, lui. Voilà, meurtre furtif, oui, parce que là, je suis en train de les tuer, en fait. Mais on peut choisir, on peut en faisant flèche vers le haut, la flèche directionnelle vers le haut, on peut faire soit létale ou soit non létale. Les attaques au cac. Donc soit tuer les ennemis ou soit ne pas les tuer, mais bon, je vois pas trop à quoi ça sert, c'est mieux de les tuer. Dans les anciens Splinter Cell, vous savez pourquoi, parce que des fois on ne devait pas les tuer, on devait pas tuer certains ennemis, alors que là, jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu ce problème. On a toujours les fameux gadgets là avec la caméra glu. Et aussi de nouveaux gadgets également. Voilà, il y a les objectifs qui sont marqués comme dans tous les jeux actuels. Alors maintenant, faut suivre comme un pigeon le marquage. Ça nous dit dans 20 mètres, voilà l'objectif. Par contre, on voit vraiment rien. On a identifié les hommes que Nouri a envoyés là. Il n'y a pas que des soldats. Je peux pas être plus clair. Il y a tout un tas de spécialistes. Chimie, ouais, mais dans ce Splinter Cell, c'est vrai que c'est beaucoup plus action que les anciens Splinter Cell. Parce que avant, c'était toujours infiltration, mais infiltration pur jus. Alors que là, là c'est brouillé. Je vais vous expliquer pourquoi. Mes lunettes sont brouillées. Compris. Parce que des fois il y a des ennemis qui conduisent des drones, des espèces de mini chars là, et puis ça brouille nos lunettes. Donc on peut pas trop bien voir. Et puis clé USB, ça c'est une quête annexe, en gros c'est pour avoir de l'argent. On gagne beaucoup d'argent en trouvant une clé USB. Ou aussi en piratant le système d'un ordinateur. Non, quoi. Pour qu'après, Griffes de tir s'en charge. Alors là, c'est, vous voyez, normalement, si j'avais pas évolué un peu l'avion, si j'avais pas évolué ça, j'aurais pas pu faire ça là, en pleine mission. Mais en plus, là, on n'est pas en mode pause. Hein. Il y a des ennemis qui peuvent patrouiller, qui peuvent me voir en même temps que je suis dans ce menu. Bon, faut faire attention, mais même si là je suis tranquille quand même. Donc normalement on pouvait juste récupérer toutes nos munitions en appuyant sur le bouton Y ou A, je sais plus, sur ces mallettes. Alors que maintenant je peux carrément changer d'arme en pleine mission. Donc ça c'est cool. Voilà, je peux même évoluer mon sniper si je veux.
même si j'ai déjà pas mal customisé. Voilà, équilibrage, je sais pas, on va acheter ça. Voilà comment ça se passe. Il est marqué 3 sur 3, c'est-à-dire que bah, on peut tout équiper là. Alors que pour les munitions, bah, faut choisir entre munitions perforantes et munitions de précision. Bon, bien sûr, moi j'ai choisi munitions perforantes. Les munitions plus puissantes, c'est toujours mieux. Bon, aussi, on manque pas souvent de munitions. Bon, faut faire gaffe des fois un peu, mais. Bon, j'ai la clé USB là-bas. Moi, je peux monter à cette fenêtre. On peut toujours s'infiltrer. Ah, il y avait un ennemi. On peut toujours s'infiltrer comme ça. Hein. Ah, là, ça doit être un endroit où on n'est pas obligé d'y aller. C'est juste pour avoir la clé USB. Bon, je peux péter la lumière si je veux, mais ça va attirer les gardes. Parce que, l'ombre est notre ami hein, dans les Splinter Cell. Bon, ils sont assez nombreux, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi la cible est rouge. Bon, je crois qu'il y a le soldat là, il va venir. Non, j'en sais rien. Faut être patient souvent dans les Splinter Cell, c'est ça le truc. Même dans celui-là, même s'il est plus basé sur l'action. Si je passe par là, il y en a un qui va me voir ici, puisque je vois qu'il y a... Ouais. En fait, là, j'ai l'impression qu'on est obligé de jouer à la bourrin. Oh, purée. Il a failli me voir. Ce qu'on peut voir, c'est exactement... L'indicateur de vue, en gros, et ben c'est exactement pareil que sur Far Cry 3. Vous voyez de la même façon. Oula, j'ai fait du bruit. D'accord, personne n'a été interpellé, normal. On va se le faire vite fait. Parce que lui, je l'aime pas trop. On va le balancer à la fenêtre. Voilà, c'est. C'est très pratique quand on peut les balancer. Par contre, la fenêtre carrément elle est brisée, mais ça fait rien aux soldats. Bon, on se le fait vite fait. Bah bon, l'IA est un peu à la ramasse des fois. Bon, encore, ça peut aller. Il y a des fois, elle peut être assez surprenante. Bah, par exemple, assez surprenante. Il y avait déjà ça dans les premiers Splinter Cell. C'est que l'IA pouvait remarquer qu'on a ouvert la porte, donc ils disent cette porte était fermée avant, enfin voilà. Donc venir vers la porte, voir ce qui se passe, enfin, des choses comme ça. Bon, ça c'était dans les premiers Splinter Cell, il y avait déjà ça. Alors que là, il y a une nouveauté par exemple pour l'IA, c'est que quand on se fait repérer complètement, il y a l'ombre de Sam. Enfin, l'ombre de Sam. Enfin, il y a un deuxième Sam Fisher, en gros. On le voit en blanc. Et ça veut dire que c'est... Là, la dernière fois, on était ici. Et donc, par exemple, si je me fais repérer ici, on voit un Sam Fisher en blanc, là. Qui reste toujours là. Et c'est compliqué à expliquer. Je vais faire exprès de me faire repérer, vous allez voir. J'en sais rien. Enfin, j'ai plus envie de me la jouer à l'infiltration. Ah, d'accord, c'est... Mes lunettes sont brouillées, décidément. Des fois, on peut pas s'en passer de nos lunettes. Ah tiens, je vais... Ah non, c'est un... Là, ça veut dire que c'est qu'il a un casque, donc je peux pas l'avoir du premier coup. Avec lui, je peux l'avoir du premier coup. Mais pas l'autre. Sauf si je vais derrière lui et... Sauf si je fais ça, quoi. Voilà, l'autre, il va se ramener, peut-être. Allez, je vais vous faire vite fait une exécution. Voilà comment ça se passe. Ça fait un espèce de bullet time. Ah, pas mal, la chaise qui a volé. Ça fait un espèce de bullet time et voilà. Ça tue l'ennemi en un coup.
la télé est complètement brouillée. Je sais pas pourquoi. J'aurais voulu un temps de chargement. Ah non. Ouais, ok, en fait là je vais vous dire un truc. Le câble optique est toujours présent. Au début j'ai cru qu'on n'avait plus de câble optique. C'est un petit truc pour pouvoir voir en dessous les portes. Donc là je peux voir mais que sur le gamepad, donc vous pouvez pas voir. Donc, je vais plutôt arrêter de faire ça et. Est-ce qu'on peut juste l'ouvrir? Ah bah voilà. Ah c'est parce que le câble optique on l'utilise que quand on vise la porte mais vers le bas. C'est différent. Alors que sur GameCube ou d'autres consoles, enfin les anciens Splinter Cell, il fallait sélectionner, on avait un petit truc qui s'ouvrait en haut à gauche et on voyait tout ce qu'on pouvait faire. Les interactions avec le décor, enfin voilà. Bah, on va désactiver l'interrupteur, je sais pas où activer. Ah on peut plus activer. Alors, je préfère. Bah et aussi j'ai une arme qui ne tue pas. C'est l'arme. On va dire c'est pas l'arme secondaire, l'arme secondaire c'est mon sniper. L'arme. L'arme qu'on a le plus souvent c'est le petit pistolet silencieux là. Et sinon cette arme là ça sert à. Bah ne pas tuer les ennemis et ça les assomme en un coup. Voilà. C'est bien. Mais je sais pas si. Par contre j'ai jamais fait le test dans ce Splinter Cell là. S'ils peuvent ranimer les alliés, je crois qu'ils peuvent le faire, mais je suis pas sûr. Par contre, là, je cherche la clé USB. Hein, si... Comme quoi, ils nous disent clé USB, mais ça reste toujours dur à trouver les clés USB. Pourtant, j'ai amélioré un truc pour mieux les voir. Voilà, clé USB. Et comment y aller ? Voilà, là maintenant, elles sont plus brouillées, mais. Net parce que je viens de. Ah si elles sont encore brouillées. Bah non. Moi bon, je sais pas si c'est bizarre, mais elles sont plus brouillées normalement parce que je viens de me faire le type avant avec le casque. Comment je passe par là, là je veux passer par là, là faire le funambule. Je peux pas. Couper tissu. Ok. Ah, je vois plus rien. On voit plus rien du tout, d'accord. Ça veut dire qu'il y a encore un mec avec un drone. Par contre, je sais pas à quoi ça sert de passer par là. Ça sert à quoi? C'est pas très utile, mais c'était peut-être pour se cacher, hein, j'en sais rien. Et se faire les ennemis d'ici. Je peux plus sortir? Ah si. Quand même. Ah, et aussi quelque chose de. Qui m'a vraiment choqué dans ce Splinter Cell, c'est qu'on peut plus sauter, bon sang. Non, je rigole. On peut plus sauter, mais bon. Ah, c'est des espèces de sauts automatiques maintenant. Et par contre, comment je fais pour avoir la clé USB qui est là-haut? C'est pas possible. Ou alors je m'en fous de la clé USB, on va continuer, hein, parce que bon. Faut que couper tissu là aussi. Ouais bah si on se la joue à l'infiltration, ouais c'est. Mais bon moi avec mon sniper, je n'ai pas trop de problèmes. Faut peut-être sortir d'une fenêtre là. Voilà vous voyez on peut peut-être par exemple péter ça, voilà. Beaucoup d'interactions avec le décor. C'est un jeu pour Hooper. Je crois qu'il connaît pas la licence Splinter Cell. J'en sais rien, mais c'est vraiment des jeux faits pour lui, hein. Beaucoup d'interactions avec le décor. Par contre, comment on va monter Ah si, bah, c'est comme ça qu'il fallait faire pour avoir la clé USB. Voilà, enfin, j'ai réussi. Enfin. Alors, bon, j'utilise mes lunettes, même si elles sont brouillées. Enfin non, là, elles sont pas brouillées, donc je comprends plus rien. Ah si, là, elles sont brouillées. Des fois, elles sont brouillées ou pas? Donc là, vous voyez, je viens de gagner 10 000 $ carrément en trouvant la clé USB. Bon, j'ai quand même galéré à trouver la clé USB, donc bon, 10 000 $, c'est rentable. Alors, les effets d'ombre sont vraiment parfaits. Hein. On est sur console, mais quand même. Quoique la version Wii U se rapproche vraiment de la version PC,
c'est la meilleure version des consoles. En même temps, heureusement, on peut dire, parce que bon, c'est la plus récente des consoles pour l'instant, enfin, en tout cas pour ce jeu-là. Il n'y a pas PS4 et Xbox One qui font tourner ce jeu-là. Sinon, je suis sûr, la PS4, je pense que ce sera vraiment la console qui sera le plus rapprochée du PC. Bon, sur Wii U, franchement, les effets et tout sont mieux faits que sur PS3 et Xbox 360. Et puis les textures également. Donc bon, il y a quand même... voilà quoi, au moins on peut se dire que la Wii U est un peu plus puissante que les anciennes consoles HD, c'est déjà mieux. Mais bon, c'est pas non plus flagrant, hein. On voit pas directement la différence. Enfin si, peut-être les effets de lumière, mais... Mais sinon, pour les textures, bon... Et la version PC est quand même plus belle. Sauf pour l'effet d'eau, là, j'ai remarqué, c'est assez bizarre. L'eau est mieux faite dans sur Wii U. Assez étrange. Mais bon. Ouais, là, on se cache. Ah ouais, c'est quand même super bien fait. Oh purée, là, c'est un blindé. Là. Faut faire gaffe, là, au gros. Alors, on peut se les faire que comme ça, ceux-là. Enfin, parce que de face on peut se faire les autres, hein, même s'ils nous ont repérés, mais vite fait on les tue avant qu'ils gueulent, appeler les autres. Ah, là on peut cacher les corps là-dedans, ça nous fait gagner des points. Plus 50 corps dissimulés. Voilà, c'est pour avoir une meilleure note à la fin dans la mission, mais moi je m'en fous un peu de ça. Enfin si, c'est aussi pour avoir plus d'argent aussi également. Parce que plus on a une meilleure note, plus on gagne de l'argent. Attends, je vais passer par là. Oh putain, il a failli me voir ce con. Ah, lui par exemple, si c'était un blindé, je pense pas que j'aurais pu faire ça, l'attaquer de front là comme ça. Un blindé on peut pas. On peut que l'avoir mais de dos. Sinon après on est obligé de... Bah là je vais pirater le portable. Sinon on est obligé de... Ouais, carrément 40 000 dollars le portable. C'est encore plus que la clé USB. J'avais pas fait gaffe. Bah aussi sur PC ça doit être galère par contre pour la jouabilité, bon même si on peut jouer avec la manette Xbox 360 donc c'est tranquille. Enfin, lui il me fait peur. Ça doit être galère pour doser, comment dire, pour marcher avec Sam Fisher. J'ai essayé avec Conviction là. Avec le clavier, mais bon. C'est pas pratique quoi. Alors, ça peut aller encore, hein, c'est pas injouable, mais. Bon, on est obligé de courir quoi. Voilà, il est tout le temps comme ça en mode. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on fait plus de bruit comme ça. Moi, à chaque fois, je vais plus lentement, voilà, comme ça. Avec le stick directionnel, on peut vraiment choisir ce qu'on veut quoi. Mais sinon, bien sûr, avec la souris, c'est plus précis pour tirer. Donc voilà, il y a des atouts, il y a des inconvénients. Je vous dis, moi je fais Resident Evil 6, je le fais avec le clavier, hein, incroyable. Au début je le faisais avec la manette Xbox parce que je me disais, purée, ça va être injouable cette merde. Avec le clavier quoi. Et finalement, j'ai été surpris. Des fichiers iraniens. Unité Alcott. Ça explique pourquoi il tenait nourri à l'œil. Je les scanne. Si on avait besoin d'une preuve que l'Iran est derrière la blacklist, on l'a. Faites passer ça à Caldwell, et rapidement. Merde. Grim, jette un œil à ça. Ils ont calculé des zones d'effet en cas d'attaque. C'est quoi? Nucléaire? Bombe sale? J'en sais rien. Je vous envoie un manifeste de fait. C'est le dernier chargement? Ouais, c'est bon, on a tout. Ok, préviens tout le monde. On traîne pas. Leur dernière cargaison va partir. À Briggs d'intervenir. Dis-lui d'arrêter le camion. Négatif. C'est notre seule chance de savoir où ils vont. Je vais poser un mouchard sur la cargaison. Ils ont des combinaisons hazmat, tu sais pas à quoi tu t'exposes. J'ai vu pire à l'entraînement. Si un seul garde te repère, tout est foutu. Tu oublies à qui tu parles. Ah, une mission à la Grim? Un Grim se tire. Ah.
poser le mouchard. Ouais, c'est comme dans Splinter Cell Chaos Theory, là, on pose des mouchards sur des conneries. Chaos Theory est pour moi l'un des meilleurs épisodes, avec aussi le tout premier Splinter Cell quand même. C'est pas rien. Ok, il y a un mec avec un drone, je sais pas où est son drone. Il doit pas être bien loin. Alors, ne vous faites pas repérer, oui, mais comment? Ça va être chaud là. C'est des hommes casqués en plus. Enfin, est-ce qu'ils sont comptés comme des casqués? Ah non. On peut les tuer en un coup, quoi. J'ai envie de faire l'exécution, sauf qu'il y a l'autre là. Ah mais je crois qu'il est de dos l'autre. Non, il est pas de dos, moi. Je sais pas moi. Ou alors je fais... Ah putain non. Comment il m'a vu? C'est pas possible. Enfin, il m'a vu d'un coup là. On a même pas vu sa barre qui se remplissait au fur et à mesure. Il m'a vu d'un coup. Bon, on va descendre. Il y a peut-être des passages, parce que souvent dans Splinter Cell, ah voilà. Il y a souvent des passages qui sont mieux que d'autres. Sont plus difficiles à trouver. On voit carrément en haut et tout. C'est vraiment pas mal ça. Bon, je pense pas qu'on va tuer les gardes, vu qu'il n'y a pas maintenant. Ce serait pas terrible. Ou quoique, là je vais descendre et me faire celui-là. Enfin, si le jaune là, voilà, il se barre. Le problème c'est qu'il regarde tout le temps par là. C'est ça le problème. Ah, vous voyez quand même que c'est compliqué. Hein. Moi, il y en a qui n'ont pas très bien aimé hein, les Splinter Cell, Conviction et celui-là, Blacklist. Mais c'est. Encore, c'est un peu normal, mais bon, moi franchement, ça me gêne pas du tout et. D'accord. Je suis en train de parler là. Bon, heureusement, les temps de chargement quand on perd sont très rapides par contre. Hein. Ils sont directs. Moi, c'est pas encore les temps de chargement d'une minute trente. Hein. Là, sinon, j'aurais pété un câble. Donc, on va monter. Bon, vous allez peut-être rien voir dans la vidéo. Enfin, moi, je vois pas grand-chose aussi. Bon, allez, je vais le faire parce qu'il me saoule, lui. Ah, mais merde. Il y avait l'autre qui me regardait. Purée, c'est beaucoup de fail. Enfin, c'est normal. Ça m'a l'air pas simple. Faut souvent être patient, et là je fais pas trop mon patient. Je fais pas trop celui qui attend que le garde se barre pour pouvoir avoir le mec avec son drone. On va bien se cacher derrière parce que lui on sait jamais, il nous voit des fois, tu sais pas pourquoi. Ah mais par contre c'est éclairé de partout, c'est le problème. Enfin, sauf là où je suis bien sûr. Oh merde. Faut surtout pas s'exposer à la lumière. Alors faut que je marque les trois là et que je me fasse lui au cac. C'est ça la technique. Ah purée mais... C'est galère à viser. Allez vas-y. Non. Ah mais on peut pas. On peut pas d'abord le tuer et puis faire X. Ah, il nous repère direct de chez direct, quoi. Ils ont des lunettes infrarouges ou quoi? Je comprends rien. Hein. Voilà, c'est pas vue thermique, lunettes infrarouges, voilà. Fait. Ah, et aussi, je vous ai pas trop montré les différents gadgets. Là, enfin bon, là, c'est grenade frag, c'est juste une grenade. Bon, j'ai envie de le faire, tiens, mais je me ferai tout de suite repérer. Il y a grenade flash. Ah bah tiens, je vais utiliser ça. Enfin non, je sais pas si ça va être bon, après. Enfin ça, c'est surtout pour s'enfuir, les grenades flash. Il y a les grenades lacrymo. J'ai pas essayé, ça. Idem adhésif. Ah oui, ça, c'est pour électrocuter un ennemi, hein, sans le tuer. C'est l'électrocuteur qu'il y avait dans les anciens Splinter Cell, là, avec, vous savez, l'arme secondaire.
On pouvait placer plein de gadgets sur cette arme. Elle avait plein de fonctionnalités, ça c'était sympa. Et puis elle a la fameuse caméra glue toujours. Et cette fois-ci elle est pas... Ah bah tiens, je vais utiliser la caméra glue peut-être. Cette fois-ci elle n'est pas sur notre arme. Mais c'est juste avec le bouton L. Peut-être qu'en le faisant direct là, non, ça va pas être possible. Alors, je vais vous montrer direct ce que c'est. Voilà, on peut voir la caméra glue. Enfin, vous pouvez pas voir, mais moi je peux voir. On peut les appeler, les attirer avec le bouton moins. Je sais pas s'ils viennent. Attends, je fais plein de fois le bruit là. Ah si, je les vois là. Bon, ils viennent pas. J'appuie 10 000 fois sur le bouton moins et ils viennent pas. Ah si, il y en a un qui va venir. Et en appuyant sur A, on balance du gaz. Ah mais non, mais je suis con. Ils ont un masque. Ah c'est con. Ils ont un masque, ça sert à rien. Mais voilà, vous avez vu l'idée. Même si vous avez pas vu ce que je faisais sur le gamepad, mais bon, je faisais pas grand chose. Je regardais juste autour. On pouvait voir ce que pouvait voir la caméra. Mais bon, ça c'est pas mal. Sur GameCube, c'était fait autrement. Bah, c'était juste fait sur la télé. On voyait ce que pouvait voir la caméra, mais sur la télé. Bon, c'est pas non plus un truc incroyable. Il y avait pas besoin du gamepad quoi pour ça. Hey, en fait, ils m'ont pas repéré, mais faut pas tuer un seul garde. C'est ça en fait. Ah, c'est con. En gros, faut pas que je me fasse repérer. Mais je sais pas repérer et sans tuer le garde. Et bah, ça va être assez corsé. Bon, après cette mission, je vais arrêter parce que bon, on est déjà à 50 minutes. Enfin. 52 minutes 30, enfin trop en plus. On va se cacher par là, je sais pas s'il peut me voir. Oh là là, oh là là, oh là là. Il est tellement aveugle. C'est trop fort. Non, bah là on va se grouiller, mais de chez se grouiller par là-bas. Ils m'ont pas vu. En fait, ça consiste, ça, on peut se cacher à la maison. C'est, à ce qui paraît, c'est repris de Gear of War. C'est-à-dire qu'on peut se cacher, se planquer. Bon, ça déjà, c'est copié de Gear of War. Enfin, d'autres jeux également. On peut se mettre à couvert et puis en même temps, on vise un autre coin. Par exemple, lui, je sais pas, juste derrière moi, j'appuie sur A et c'est bon. Il y va direct. Oui. Ah purée, mais... Ah oui, mais on peut... Oui, on peut pas les tuer, je suis con. Ah mais c'est ce que je fais d'habitude, moi. Je tue des mecs. Je tue des mecs en panthère, quoi. Discrètement, voilà. Je suis très discret comme mec, même si j'en tue des mecs. Ou alors... Ah oui, bah c'est derrière le camion, là-bas. On va placer un mouchard. Ah, par contre, lui, avec son drone, il va me faire stresser. Hein. Je sais pas où est son drone, mais il est marqué sur le détecteur là, qu'il est pas loin. Quoi. Bon, là, on y va direct de chez direct. On se pose pas de questions. Bah, là aussi, en fait. Bah, là, j'y vais direct. Attends, sérieusement, ils m'ont pas vu, quoi. C'est n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Bon, c'était facile en fait, hein. Fallait juste connaître bien lire. Un dérivé du gaz VX. Comment tu le sais? L'intuition. Et une bombe dans une boîte de confinement. Je vais l'ouvrir. Sam, si c'est une boîte de confinement, tu cours un vrai risque d'exposition. Pour que ça marche, je dois planquer le mouchard. C'est notre seule chance. Quelques microgrammes de VX peuvent être mortels.
des appels qui transitent par l'antenne téléphonique près de l'usine. C'est haché, mais écoutez. Envoyez-la à l'ouest. Intervertissez les chauffeurs sous le pont, et puis partez. L'IMS trouve une correspondance partielle de la voie. Il y a des chances pour que Sadik soit dans le complexe. Envoie-moi sa position. Je m'occupe du reste. Tout de suite. Ah, et voilà, on continue. Rentre là, je sais pas si on... C'est pas grave si on se fait repérer là, j'en sais rien. Je reste discret. Ah, ne touchez à aucun ennemi, mais purée, j'ai même pas fait gaffe à ça, je suis con. J'ai même pas fait gaffe qu'il y a marqué ne toucher à aucun ennemi. Ah, c'est pour ça que je perdais. Ah, c'est n'importe quoi. Ah, vous savez, des fois, je suis un peu con. Bon, on va se barrer par là-bas. Purée, y a quelqu'un qui a fait une voix. Il est où le mec avec son drone en fait, je sais plus du tout. On va passer par là-bas. On va remonter en fait. Je sais pas, c'est peut-être la meilleure solution. Ou grimper, ouais. Parce qu'en fait, je crois qu'il faut aller en bas, d'après l'indicateur. Bah, finalement, je préfère descendre. Ah, on peut grimper encore là. Ah, il va juste se mettre de l'autre côté quoi. Je crois qu'on pouvait faire le funambule et carrément être en équilibre sur le truc. On peut pas descendre là, on peut pas. Ça sert à rien d'aller là en fait. Il n'y a plus le mec avec le drone, donc ça c'est super déjà. Ah, et puis sinon, au niveau de l'histoire, je crois que ouais, j'en ai déjà dit un peu trop au début en disant que Sarah était merdeux. Enfin, c'est con. En disant que Sarah est vivante. J'en ai peut-être un peu trop dit, mais c'est pas grave. Je suis un peu obligé là, je fais le dernier Splinter Cell. Donc attends, on va. Et puis moi j'ai connu tous les anciens Splinter Cell à part Conviction et puis bah ce Blacklist que je n'ai pas fini. Bon, avant il était à échelon 3 et puis maintenant il travaille à échelon 4. Donc c'est Sam Fisher, il s'est fait repérer, c'est super. Ah, vous voyez, c'était le système à la Call of Duty, vous l'avez vu en 2 secondes. Bon alors. Oh putain. Vite! 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 Oh purée, le stress! Le stress ultime! Bon bah, on va passer par là. Faut vite se grouiller. Oh purée, carrément, 8 ennemis, 1850 points. Ça serait bien pour le fric. Voilà, ah, équipe perso, alors qu'avant c'était. Avant c'était juste ravitaillement. Ah, je vous ai expliqué ça 1000 fois. Ah voilà, et aussi quelquefois il y a des ennemis comme ça à capturer. Donc on les tue pas, même si on est en mode létal. Eh bien on les tue pas, c'est automatique. Quand on l'a par derrière. Par contre, comment je vais me le faire lui? Si, comme ça. C'est un peu con quand même. Et puis voilà, on se le fait comme ça et. Et voilà, ça nous. C'est comme ça qu'on peut avoir un bouclier humain. Le problème, c'est que je me suis fait repérer. Donc, vous allez voir du Call of Duty. Oh, Call of Duty! Voilà, j'utilise le mec, j'ai plus de vie avec lui. Bon, je vois vraiment rien du tout. La cible est morte! Oh putain, bah, je dois tout recommencer alors. Il y a quelqu'un qui a tué la cible. Bande de cons, vous vous en foutez là de votre pote. Bon, c'est... Okay, je crois que c'est un blindé lui. Ah putain, on est en face d'un blindé comme par hasard. Attends ça, dans les bijoux de famille. Non. Qu'est-ce qui se passe? Allez d'accord, il m'a carrément eu par derrière. C'est super. Oh non, ne me dites pas que... Oh, je suis où là? Ah non, ça va. Oh merde. Ah
Des fois, on sait jamais ce qu'ils vont faire, ces ennemis. Alors lui, on va se le faire. Je sais pas pourquoi on est dans le noir cette fois-ci. Ah bah, c'est lui en fait qui a allumé le feu ou une connerie. On va se cacher par là et... Voilà, on va le mettre la cible recherchée, sécurisée, équipe. Je l'ai tué ? Bon, j'ai rien compris. D'habitude, quand je fais ça, c'est bon, même si je suis en mode létal. Bon, alors, comment on va se faire ces types ? C'est ça que j'aime bien dans les Splinter Cell, c'est que... Il faut... Purée, c'est stratégique. Ah, vite ! Il faut aller aussi assez vite, hein, parce que sinon, on se fait repérer. Bon, là, ils ont vu le corps qui est tombé par terre. Vous voyez des petits détails comme ça. Bon, au moins, c'est pas l'IA de Far Cry Instinct Prédateur sur Wii. Heureusement. Moi, j'ai jamais fait ce jeu-là, mais bon, vu ce que j'en ai vu, voilà. Ça donne vraiment pas envie de l'acheter. Bon, on va se les faire ou on va s'enfuir? Non, j'ai envie de me les faire, parce que... Ouais. Voilà. C'est pour la vengeance. Bon, bah, lui, il se barre, bon, il s'en fout un peu. Oh putain, un ennemi à deux balles. On le voit super bien grâce à la lampe en fait. Qui tienne. Ça c'est con. Bon, faut que je me cache bien. En plus c'est un blindé ce con. Voilà. Nous avons battu un blindé. Ah, il y a les fameux bidons explosifs. Toujours présents. Hein, même dans Splinter Cell quand même. Je vois pas trop à quoi ça sert parce que on se fait direct repérer. Moi ce que j'aime c'est l'infiltration, c'est la furtivité. C'est ça que je recherche dans les Splinter Cell. Bon même si celui-là il est un peu plus action, hein, j'ai vraiment pas été. Je suis pas déçu et bah, je m'amuse. C'est pour ça qu'on a fait une heure de vidéo déjà. Voilà. Ça passe vite. C'est vraiment. Trouver ma sortie. C'est ça dit que la priorité, pas moi. Exploration. Ah, des fois, on gagne plus de 100 là en exploration, parce qu'on va dans des endroits. Enfin, on va partout, quoi. On explore un peu. On est un peu curieux. On est tellement curieux que là, je vais me suicider et tomber. Non, je regarde. Mais comment on descend là? Il n'y a pas un endroit où. Il y a une autre corniche ou... Non, il n'y a rien. Je veux pas me mettre là. Ah si, on peut glisser, c'est bon. Ah bah d'accord, il y a une échelle. Je l'avais même pas vue. Oui, des fois, le jeu est tellement sombre qu'on ne peut pas voir. Cible recherchée, récupérée. Maintenant, faut aller où? Vous voyez l'effet des lunettes, franchement, super bien rendu. On avait le droit à ça que sur Xbox avant. Il y a des chiens. Est-ce qu'on peut se les faire de là-haut? Ah, il est saut meurtrier, je suis obligé de tomber quoi. Bon, je me les fais vite fait. Oh purée, ce bug de caméra, c'est la première fois que ça m'arrive. Voilà, on se fait vite fait. Vous voyez, on peut toujours aller comme ça, c'est stylé. Ah, puis aussi, je voulais vous parler aussi du framerate. Qui est, bah, vous pouvez voir quand même que le jeu est assez fluide, il est tout le temps en 30 fps, c'est quand même assez bien. Il y a juste des fois dans les cinématiques qu'on peut voir des petits lags, quelquefois. C'est surtout au début du jeu, là, il y a une mission, il y a vraiment beaucoup de mercenaires, tout ça, et affiché à l'écran, et là, on sent que la Wii U, elle en peut plus. Je sentais que c'était plus du 25 fps. Pourquoi il va à deux à l'heure là? Je dis je vais bien. Ok, il y avait trois clefs en bas, mais il n'y avait pas leur maître. C'est la première fois que je vois ça. D'habitude, à chaque fois, il y a le maître à côté du chien. Et les chiens, ils te repèrent, mais direct. Hein. Même si t'es derrière, ils te repèrent direct. C'est ça qui est con. Ils viennent vers toi à chaque fois, en fait. Donc, je ne comprends pas. Ah, ok, on se sent pas très bien, donc voilà.
Mais pourquoi on se sente pas très bien, je sais pas. On va faire gaffe à l'ennemi et on va mieux regarder avec les lunettes. Ah, c'est très calme, hein. J'ai plus trop grand chose à dire. Bon, on va passer par là, je sais pas ce qu'ils veulent voir. Non. Ah ok, c'est parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Ok, j'avais même pas fait gaffe. Il ne répond plus, j'y vais. C'est pour ça qu'ils ont tous un masque. Ah, faut vite se brouiller quoi avant qu'ils. Enfin, je pense que c'est scripté, hein. Purée. Oh le con. Oh purée, ils sont deux. Mais non. Vaut mieux que je m'enfuis là, parce que je suis affaibli, je sais pas. Je pense pas que je vais me les faire au cac. Mais voilà. Oh purée, il y en a un autre. Mais c'est pas possible. Ils sont partout. Tain, il a failli me voir lui. Et méchamment quoi. Alors là vaut mieux. Ah, je peux pas avancer plus vite. Alors c'est encore plus loin. Je sais pas si on est dans le noir. Le problème avec les lunettes c'est qu'on peut pas savoir voilà, si on est complètement dans le noir. Enfin, pas trop. Ah ok, il faut avoir ce mec là pour pouvoir prendre son casque. Non, il faut que je le voie. Négatif, maintenez la surveillance. Ok, je suis mort. Hein. J'ai déjà vu mieux comme accueil. Non. Oh. Je t'ai donné un ordre? Je croyais que... Ça t'apprendra. C'est Nouri qui t'a mené jusqu'ici? Encore des amis au renseignement. Félicitations. Réponds à ma question. Rends-toi. Je te laisserai peut-être vivre. Alors, qui tu es, toi? Un Américain, on dirait... Oh! Ça, qu'est-ce que c'est? Un carambit. Tu t'es entraîné à l'étranger? Forces spéciales. Mais je me demande bien lesquelles. Tu es un mystère. Qui es-tu? Je suis le type qui va te tuer. Ah? Parce que je suis au-dessus des lois? Ou parce que je tue pour une cause? Si c'est le cas, on se ressemble beaucoup, tous les deux. Tu assassines des innocents. Parce que ta présidente envoie des types comme toi dans des pays où ils n'ont rien à faire! Je t'emmerde. Où est ton équipe? Ah bah voilà, elle est là l'équipe. C'est con ça. C'est un Makarov. Il te reste qu'une balle, t'as pas intérêt à planter. On parie? Parce qu'une seule me suffira. Descends-le, Briggs. Non, négatif, Sam. Vas-y, tire. Tue-le. Briggs, il faut faire quelque chose. Ceci une vitesse sans chute libre. Tu avais tort. Va stopper ce sadique. C'est un ordre. La tropine ne suffira pas pour que Sam puisse s'en tirer. Montez sur le toit, vite! Ok, la première fois qu'on est avec notre pote, là. Ça va, Sam? Sans le coop. Foutons le camp d'ici. C'est pas le gars d'avant qu'il a eu? Ah non.
Voilà, faut suivre Briggs, hein, comme vous pouvez le voir. Enfin, eux, ils vont tout de suite nous voir parce qu'ils sont en thermique. Et en plus, j'ai plus mes lunettes, c'est super. Arme bruyante. Ah d'accord, j'ai une mitrailleuse. Hey, j'ai perdu mes armes quoi avant. Et puis j'ai le pistolet incapacitant, super. Comme vous pouvez le voir, le pistolet incapacitant, bah, c'est une arme qui ne tue pas. Qui étourdit juste. Enfin, qui assomme quoi. Tiens, c'est visée laser verte. Allez, prends ça toi. Voilà, c'est à la Call of Duty là. D'accord. Mais sinon, pour les voix en VF, la version française est quand même de bonne qualité, hein, vous pouvez voir. En voyant ces cinématiques, c'est pas nanardesque, c'est étonnant. Mais bon, dans tous les Splinter Cell, de toute façon, la VF était de qualité, et puis très souvent, de toute façon, dans les jeux Ubisoft, hein, puisque bon, Ubisoft, il y a aussi en France, quoi. Donc, c'est une boîte française, quoi. Même si là, c'est Ubisoft Montréal, et c'est pas du tout en France. C'est les mêmes qui ont fait Far Cry 3 et puis qui vont faire également Far Cry 4 je pense. C'est pour ça qu'on a un peu la ressemblance au niveau de quand les ennemis nous voient, bah voilà, il y a le même système, voilà, l'espèce de flèche là, une espèce de carte de cercle avec une flèche. Voilà, système à la Call of Duty. On se cache et on est soigné. C'est totalement logique. Il met du temps là à récupérer. Voilà. Et bah vous imaginez, avant on récupérait encore plus longtemps, deux fois plus longtemps que ça. Parce que là j'ai évolué des trucs. Oui. Ce que je vous ai montré avant. L'infirmerie. On va se le faire par derrière. Hein. Voilà, il s'est fait avoir. Vous voyez quand même que l'IA est pas mal, hein, il se cache et tout, mais il y a quelques fois où... Bah, je sais pas, il y a des fois ils vont vers nous, on dirait que c'est fait exprès, quoi. Enfin, c'est une IA moyenne, quoi. Ça peut aller encore. Il n'y a pas eu de bug, hein, récemment, avec l'IA. Pourquoi je referme la porte? C'est con. Bon, je vois vraiment pas grand-chose, là. J'ai pas les lunettes. Je pense que vous aussi, vous allez pas voir grand-chose. Là, il y a un bidon explosif, donc je vais tirer dessus. Parce que moi, j'aime bien tirer sur les bidons explosifs. Et il y a des agents secrets à côté. Enfin, des espions. Attention. Et voilà, regardez. Le Sam Fisher. Le Sam Fisher en blanc, ça veut dire... bah, c'est notre dernière position. La dernière fois où ils nous ont vus, c'était ici. Donc voilà, ce système j'ai bien aimé pour contourner les ennemis après. Mais bon, c'est quand même un peu con quand même, les ennemis qui vont bien ici, après là ils nous cherchent bien ici. Au début ils tirent, ça peut aller encore, ils essayent de nous viser. Puis après au bout d'un moment ils viennent ici, et puis c'est là qu'on peut vraiment les avoir par derrière et tout. Quand j'ai pas une arme terrible, enfin, on doit sortir d'ici. J'aurais préféré mon sniper. C'est bon. C'est dégagé. Grim, valise installée. L'hélico est en route. Ton couteau. Sam. On aurait pu en finir. On tenait Sadik. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Finir le boulot. Moi, X. Y a rien de plus important. Ni moi, ni toi. Rien. Où est la paix? C'est fini, Briggs. C'était ta dernière mission. Oula.
Sam Fisher, il est remonté, là. Ok, bon, là, vous pouvez voir... Virement confirmé. Les fantômes, voilà. Il y a fantôme, panthère et assaut, comme je vous l'ai dit avant. Fantôme sans tuer des ennemis, c'est juste les assommer, au pire. Ou aussi juste en passant comme ça, inaperçu. Panthère, bah, c'est en tuant les ennemis, mais en passant quand même inaperçu, mais en tuant les ennemis. Bon, ils peuvent repérer les corps des fois, voilà, donc c'est bof bof. Et puis assaut, bah, c'est ce qu'on a fait à la fin. Alors Call of Duty. Et puis chargement, ça montre la définition de ce jeu. Non, je rigole. Non, mais les temps de chargement sont extrêmement longs. Enfin, quoique en parlant, ça passe plus vite. Donc voilà. Les missions, les quêtes annexes sont vraiment pas mal. On peut les refaire, j'ai vu. Je viens de le remarquer dans cette vidéo, en fait. Bah, j'ai même refait sans faire exprès une fois une mission de la campagne. Bah, la première mission, je sais pas pourquoi je l'ai refait. Je sais pas pourquoi, ça peut-être pas sauvegardé, j'en sais rien. Ça sauvegarde normalement automatiquement, on voit le logo, même il est marqué sauvegarde en cours. Voilà, sauvegarde. Maintenant on peut passer. Mais quand même, ce jeu, je pense qu'il a une replay value quand même assez grande, parce qu'on peut déjà jouer en coop, ça c'est pas rien. Puis en plus, on peut choisir notre difficulté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu n'es pas encore tiré d'affaire, mais ton état est stable. Pas moi, Zadik. Parti, mais le mouchard est toujours actif, on sait où est la bombe. Sam, non, il te faut du repos. Ce dont j'ai besoin, c'est de voir les infos qu'on a sur l'Iran. La présidente a fait une déclaration hier soir. Le pays a soif de sang. Alors pourquoi on est encore là ? Parce que Grimm ne croit pas que ce soit l'Iran. Tu n'es pas censé reconfigurer le système ? Quoi ? À chaque fois qu'ils ont laissé des indices en évidence, c'était pour mieux nous tromper. Ils ont peut-être paniqué. Sadik n'aurait pas été là s'il avait su qu'on venait. On ne peut pas risquer une guerre s'il reste le moindre doute. Tu as raison. Putain, le bug d'ombre sur une fille, par contre. Trop importante. Crimes de tir. Voilà, quelques petits bugs. Ah, si, oui, il y a quelques petits bugs aussi dans le jeu, mais bon, c'est pas bien méchant. Salut, les infos sur les gardiens de la Révolution. Ah, bah tiens, il est de retour. Comment ça se fait ? J'ai cru qu'il était viré. J'ai pas compris. Bon, il est peut-être pas viré, mais c'est sa dernière mission, quoi. Maintenant, il fait autre chose. Non, j'en sais rien. C'est bizarre. Sinon on peut appeler Sarah si on veut, mais bon, voilà, on peut regarder, on peut aller partout dans l'avion, hein. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Par exemple là, c'est pourquoi ça, c'est pour je sais plus pourquoi c'était. Si c'était pour avoir de nouveaux JPEG, je pense, de nouvelles images, des artworks. Et puis là-bas, je crois que c'est pour voir les prisonniers. Je crois que c'est là. Ah non, c'est pas là. Et parce qu'on a un prisonnier là. Et, c'est un mec qu'on a vu dans la première mission. Qu'on a en otage là. Enfin, en otage. Ben, on a une petite prison dans l'avion. Voilà, c'est ça. Il est dans une cage et. C'est comme un oiseau quoi. C'est con. Mais où c'est ? Je pense que c'est... Non, on peut même pas monter. Il y a de l'activité. Bon, je cours, hein. Mon petit footing. Ah non, je peux plus courir. Je crois que Charlie a du nouveau matériel à te montrer. Bon, par contre, Griff de tir, il fait que de dire ça. C'est... Parce que Charlie, c'est celui, voilà, qui nous donne toujours les nouveaux gadgets et tout. C'est le pro-informaticien, on va dire. C'est une nouvelle tête, hein. Je l'ai jamais vu dans les anciens Splinter Cell, donc... Et puis voilà, notre pote, et lui il nous demande de... On peut faire des missions à lui aussi ? De mauvais poils aujourd'hui, Fisher. Ça fait partie du métier. Ça fait déjà un bon moment que tu fais ce boulot. T'as jamais pensé à raccrocher les gants ? Non. Il y a trop de racleurs dans ton genre qui nous pourrissent la vie. C'est bien la dernière fois que je fais semblant de m'intéresser à toi, mon pote. Ah voilà.
Mais bon, vu que j'ai fait toutes les missions, voilà, il n'y a que retour. C'est tout pour l'instant. C'est un peu con. Je m'en fous. Parce que tu crois vraiment que tu vas me manquer. Et en plus, à chaque fois, il essaie de faire son intéressant. Donc voilà. Récupérer. Attends, c'était quoi ça? Récupérer données. Bah oui, mais c'est juste les images, quoi, les artois. Voilà, la première mission a se passé ici. La planque. Déblocage, fouiller le paladin pour trouver des données de reconnaissance et débloquer de nouvelles illustrations de l'équipe de développement de Splinter Cell Blacklist. Ouais, on fouille des trucs pour trouver de nouvelles images, hein, le classique. Voilà, je pense qu'on va se quitter, hein. Parce que je ferai peut-être un vidéo test sur ce jeu-là, une review. Quand je l'aurai bien décortiqué et quand je l'aurai bien fini. Et je referai peut-être des parties en coop, hein. J'espère que ça ramerait pas cette fois-ci. Donc sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures. Et ce Splinter Cell Blacklist, je trouve qu'il présente pour l'instant que du bon. Et je suis qu'à 40%.